Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour une toute nouvelle vidéo sur Project Zero. Dans l'épisode précédent, on avait commencé le chapitre Chat Démon. On avait fait plein de trucs, on avait trouvé une salle avec un super nom, la gueule du démon, si je me souviens bien. Et on était, par contre, attendez, si je me souviens bien, par contre, j'avais pété ma pierre miroir à la fin de l'épisode, donc je vais juste aller en rechercher une, parce que si je me souviens bien, il y en avait une qui traînait dans la pièce au fond du truc avec, dans la pièce avec l'escalier qui est celle qui est juste avant, bah, celle qui est juste là. Il y a une petite pierre miroir qui traîne et je vais aller prendre, ou enfin, un miroir en pierre, je sais plus. Voilà, miroir en pierre. Et donc on ramasse ça parce que comme ça au moins ça me permettra de. Ça me donnera un petit peu plus de durabilité. Un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Pourquoi faut toujours que je me fasse agresser gratuitement? En plus, par ce fantôme de merde que je ne peux même plus voir en photo parce qu'il est ridicule. Et on le voit tout le temps. Sérieusement, ça va faire combien de fois que je le tue celui-là, hein? Beaucoup trop. Voilà, et donc je vous rappelle, la dernière fois, enfin, on avait découvert qu'ici, une fois qu'on mettait le truc sur le mur, la penderie, je sais pas, le tout, enfin, une fois qu'on mettait l'espèce de drap. Une pierre spirituelle. Ok. J'ai pas réussi à voir le fantôme, mais en fait, c'est que je m'y attendais pas, c'est pour ça. Comme d'habitude. Extrait du journal de la dame. Cet appareil photo semble détenir un pouvoir mystérieux. Il capte des choses qui ne sont même pas là. Mikoto m'a supplié de lui rendre l'appareil. Je ne comprends pas les choses que cet appareil capte. Mais je dois absolument empêcher Mikoto de les voir. Je dois la protéger. Quelque chose de terrible se prépare, je le sens. Si elle t'a demandé l'appareil, à mon avis, c'est qu'elle comprenait mieux ce qui se passait que toi. J'ai eu tellement peur. Ok, le placard, il n'y a rien ici. Ici, il y a une esquisse représentant des fleurs. D'accord. Peu d'intérêt. Ah, un truc. Une pierre spirituelle, aucun intérêt. J'ai peur. La porte là est déverrouillée. Film de type 37.
La porte, ben elle est... Ok. Elle était pas bloquée par des planches avant? Peut-être pas. Peut-être que j'ai un faux souvenir en fait. Je croyais qu'avant cette porte était bloquée par des planches. J'ai peur. Je pense que vous l'aurez compris. Là franchement je tremble. Il va être chiant ce fantôme, il court. Meurs, fantôme. Je te déteste. Oh, c'était le gosse qui nous avait piqué le miroir, je m'en souvenais même plus, tiens. Bah, l'escalier a apparu, tiens. C'est quoi ce truc? C'est horrible comme bruit. Garçon aspiré par l'horloge. D'accord, j'ai pas compris. Mikoto va-t-elle enfin me trouver? Nous jouons à chat démon et elle est censée être le démon. Aurait-elle abandonné? Je me demande si Mikoto m'aime bien. Si elle finit par me trouver, je le lui demanderai.
Je vois pas la zone trouble. À trouver. J'ai l'impression que c'est le couloir des cordes. On voit des cordes. Ouais, vous remarquerez ma logique. Franchement, moi je dis là, je suis un génie quand même. Mikoto a mis la main sur un appareil étrange. Elle prétend l'avoir trouvé dans le manoir lorsqu'elle jouait à chat démon. Lorsque je lui demande où exactement, elle répète qu'une fille en kimono blanc le lui a donné. Je n'en sais pas plus. 14 juin. J'ai examiné l'appareil que Mikoto a trouvé hier. Je n'ai rien remarqué de particulier. Un visiteur l'a probablement oublié dans le manoir. 15 juin. Le temps était splendide aujourd'hui et Yae a l'air de se sentir mieux. Nous nous sommes promenés toutes les trois dans la montagne. Il n'est pas sorti depuis longtemps et ça lui a fait du bien. Elle s'est amusée à prendre des photos toute la journée avec l'appareil de Mikoto. Bon, on va aller faire une petite sauvegarde quand même. J'espère que le point de sauvegarde y est toujours. Je pense que oui, normalement ils changent la géo, ils changent peut-être les portes ouvertes, si cela, mais ils vont pas changer le point de sauvegarde. Ouais, voilà, ils ont pas changé le point de sauvegarde. Vous aurez pas osé. Ils sont trop gentils. Un masque apparaît sur la photo. On dirait le masque qui était accroché ici. Bizarre cette fumée. Dis-moi, si je te proposais de te barrer, tu refuserais, hein? C'est bien dommage. Non, franchement, la fumée qui sort du sol, j'en sais absolument rien à quoi ça correspond. Mais mettez pas de musique comme ça. Ces changements d'ambiance. Ah. C'est quoi cette note finale? J'en ai pas. Je veux pas y aller, je veux tellement pas y aller. Fumier. Note de Mafuyu.
Il semble que les fantômes des femmes aux yeux évidés réagissent au bruit. Si je ne fais pas de bruit, je devrais pouvoir sortir sans me faire remarquer. Un miroir en pierre, ok. Au sacré. Extrait du vieux journal. Depuis que nous avons emménagé dans le manoir Imuro, mes recherches progressent rapidement. L'autre jour, j'ai trouvé des documents laissés par le dernier maître de la lignée des Imuro. Apparemment, il fut pris d'une folie meurtrière et se donna la mort. Ce manoir est truffé de dispositifs et autres mécanismes, et il semble qu'il existe des pièces qui ne figurent pas sur les plans. Je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'autres documents cachés quelque part. Je sais que les gens de cette région sont plutôt distants par nature, mais les villageois sont particulièrement réticents pour parler du rituel. La Vierge du Sanctuaire des Cordes, le miroir sacré, la calamité. Je pense que le rituel doit être la clé de toutes ces légendes. Depuis quelques jours, Yae n'arrête pas de prendre des photos dans le manoir avec l'appareil de Mikoto. Je lui demande ce qu'elle photographie, mais à chaque fois elle répond « je les vois » comme si elle délirait. Elle refuse d'en dire plus. Depuis notre promenade en montagne, Yae ne se sent pas bien. Aujourd'hui, elle est couchée très malade. Ok. C'est tout ce qu'il y a par ici, je suppose. Ouais. Bon, bah on va se barrer. On va faire un petit tour sur le balcon. Je vous rappelle, je crois me souvenir qu'on y avait vu un fantôme en plus il n'y a pas longtemps. Pas l'air d'y avoir grand chose. À part encore lui. Ah putain. Je pense que ce jeu va avoir ma peau. Franchement. Je déteste ça. Moi, ce que j'aime dans les jeux d'horreur, c'est que ça me permet de montrer mon courage à chaque épisode.
Ouais, je crois voir où c'est. C'est en dessous, vous vous souvenez, en dessous, l'étage d'en dessous, il y a... Ouais, ça doit être ça qui brille encore, on verra au pire. À l'étage en dessous, vous vous souvenez, il y a une sorte de salle de couloir carré qui fait un carré. Et à un endroit, il y a un petit creux. Alors ici, si je me souviens bien. Voilà, ici. Fille cachée. Un miroir en pierre à retenir. Bon, j'oublierai sûrement, mais bon. C'est un raccourci pour retourner à la salle funéraire. Est-ce qu'on va sauvegarder? On va sauvegarder. Je pense. Je pense que ça fera pas de mal d'une petite sauvegarde. Mais qu'est-ce qu'il est temps d'arrêter l'épisode d'une vingtaine de minutes? Non, on va continuer encore un peu. J'arriverai jamais à sortir des pièces immédiatement, je pense. Voilà, on peut continuer. Pouf, pouf, pouf. Pouf, pouf, pouf. Cette porte, je suppose qu'elle doit être verrouillée. Vierge du sanctuaire, démon, et choisis âge en moi. Démon, point, 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 choisis âge en moi. Âge en moi. Et démon. Qui. Âge en moi. On va tenter 7, 9, 2, 5. Devine la pienne, vierge du sanctuaire, démon, et choisis à l'âge de 7 ans, 9 mois. On va essayer 07, 07, 09. Et si ça marche pas, on essaiera 07, 9, 2, 5. Ça marche pas, donc 7, 9, 2, 5. Ça marche. En fait, c'est super simple ces énigmes. En fait, il suffit juste de regarder la feuille rituelle qui correspond et puis c'est bon. Pas cette pièce. Est-ce que vous devinez à quel point j'ai envie de me barrer?
envie d'explorer cette pièce. Ça, pitié! Arrêtez de faire ça ou c'est moi qui vais finir par chialer? Va y avoir un fantôme, 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 barre-toi, 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 barre-toi. C'est bon, je respire. Arrête de vibrer sans raison, putain de manette! Oui, désolé, je m'emporte, mais ma manette vibre. Par moments, ça lui arrive de plus en plus souvent, mais elle vibre dans des pièces comme ça, alors qu'il se passe absolument rien, et ça commence à me saouler. Parce qu'en plus, déjà que tu flippes pour rien, et bah ça te fait flipper plus alors qu'il se passe rien, bordel! Ok, là on retourne ici. D'accord. Donc on va pas aller ici, c'est juste c'est un petit raccourci à retenir maintenant que ce raccourci est déverrouillé. Ce qui f... Arrête de vibrer pour rien. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va retourner à l'étage. Vous vous souvenez, on avait devait prendre une photo du trou, on l'a fait, on va voir maintenant ce que ça a déverrouillé. En espérant pas se faire agresser par un fantôme aveugle. Des fantômes, des photos de fantômes sont éparpillées sur le bureau, comme celle de l'appareil de ma mère. Mikoto a disparu. Elle a dit qu'elle jouait à chat démon dans le manoir. Je ne pense pas qu'elle soit sortie. Elle avait l'appareil photo sur elle. Aucun des quatre amis de Mikoto ne sont rentrés chez eux. C'est comme s'ils avaient été enlevés par des fantômes. 3 jours se sont écoulés depuis la disparition de Mikoto. Tout est tellement étrange. Depuis que nous avons emménagé dans ce manoir, depuis que nous avons trouvé cet appareil, si je perdais la raison maintenant, je n'aurais plus à y penser, je serais libre. Je les vois maintenant, même sans l'appareil photo. Vous le sentez le coup pourri avec le vieux phonographe? Exist. See it.
Je déteste quand la musique s'arrête comme ça. La clé en bronze. En tout cas, la clé en bronze, je pense qu'elle ouvre le truc. Vous avez vu la boîte? Vous vous souvenez peut-être de la petite boîte qui était pas loin, qui était juste ici, si je me souviens bien? Ouais, ici, voilà. Et puis on allait ici et vous vous souvenez, il y avait une clé en... Utilisez la clé en bronze, voilà. I came to research the Amuro family's secret ritual because this blinding mask is the key to the door. The altar's got to be behind this door. J'ai trouvé les documents de recherche du folkloriste dans le coffre. Note de recherche. Masque spécial. Le masque porté par le chef de famille des Himuro est le masque spécial. D'après la légende, il peut prendre le visage d'un ange ou d'un démon. Son expression reflète la nature de celui qui le porte. La salle des masques du manoir des Himuro rassemble tous les masques nécessaires au rituel. Le masque spécial en est la clé. Le document atteste que lors du dernier rituel, le masque porté par le chef de famille prit le visage d'un démon. Parce qu'elle pouvait pas supporter la vue de tous les fantômes. Ou alors les fantômes l'ont pendu même. Cette musique, il est même pas méchant, ces bâtards. J'y comprends rien, c'est elle, Mikoto? Parce que là, la femme pendue, c'est Yae, on est d'accord? C'est génial, j'adore le fantôme qui est beaucoup trop haut pour que je puisse faire quoi que ce soit. Tu peux me faire plaisir, va donc en enfer. Voilà, merci. Donc là, ce que je veux faire, je pense que je vais arrêter l'épisode ici.
Et on ira voir ce qui se trouve à côté de la femme pendue dans le prochain épisode. Donc là, ce que je vais faire, en fait, je vais passer par là, puis aller dans le... Vous savez, dans la... Comment ça s'appelle? La salle avec les bougies. Je vais aller dans la salle avec les bougies, puis ensuite, je me contente... Une fois dans cette salle, je me contenterai de sauvegarder... d'aller dans la salle de sauvegarde, et puis ça sera bon. Aujourd'hui, ça ira. Voilà cette salle. On sauvegarde. Voilà. En tout cas, moi j'espère que cet épisode vous aura plu. Moi je suis terrifié comme d'habitude et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Project Zero. Ah oui, je me permets d'apporter une petite précision aussi. Je me permets juste d'apporter une petite précision. Là, étant donné la nature du jeu, qui est un jeu relativement d'énigmes, où apparemment il y a des photos de décors qu'on a visitées auparavant et tout. En fait, là, je vais faire le jeu en quelques jours. Donc, ce qui fait que quand vous verrez cette vidéo, le let's play sera sûrement déjà terminé. Parce que voilà, j'ai juste attendu, j'ai même pas attendu d'avoir des retours sur le premier épisode pour enchaîner sur le deuxième. J'ai mis le, là pour vous donner une idée, on est le dimanche 28. Et bah j'espère avoir fini le jeu le dimanche prochain en fait. Je sais pas combien de temps il dure, mais s'il est aussi long que Project 04, j'espère l'avoir fini dimanche prochain. Donc voilà, c'était juste pour vous donner la précision pour éviter, et puis en plus comme ça évite le spoil, ça évite plein de trucs. Mais donc voilà, c'est juste pour raison pratique notamment, et puis aussi parce que je vais essayer de revenir à mon rythme de 4 vidéos par semaine. Sauf que 4 vidéos par semaine, bah ça se fait, enfin, remarque, je sais pas. Je vais essayer... Donnez-moi votre avis dans les commentaires, tiens, à cet épisode. Je verrai à cet épisode. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Combien vous préférez de vidéos par semaine? Si vous voulez 4 vidéos par semaine ou si vous en voulez... Si vous préférez 4 vidéos par semaine de 2 let's play ou alors si vous en préférez 3 de... ce let's play. D'un seul let's play. Parce que bon, c'est le seul rythme auquel je pourrais m'astreindre. De toute façon, ce sera soit l'un, soit l'autre, je pense. C'est 2 vidéos par semaine de 2 let's play différents, soit 3 d'un let's play. Comme ça, c'est... Dites-moi ce que vous en pensez, tiens. Et puis, on verra après cette vidéo, je verrai en fonction de vos réponses pour ce que vous préférez. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Project Zero. Allez, à plus tout le monde !